Bon, alors nous voilà, la GoPro. Je suis en. Pas en wide, je pense que c'est en wide. C'est peut-être en appui. Pour la défense, c'est vraiment un épique. Il y a un truc tout. C'est un petit signe. Autant c'était raide à la montée, autant c'est raide à la descente. Hein. Je vais avouer que je vais chercher un petit peu d'ombre parce que là ça commence à taper sec. Si je suis pas rôti, là je suis pas loin d'être rôti. Grave plus facile à descendre bien monter. Mais c'est ultra raide. J'avoue. On va même éviter les grosses bosses. C'est magnifique. Franchement, on clique le toit. Si ça a besoin d'un toit, en tout cas. Non, c'est rien. Oh, il y a du bois. Il y a peut-être un toit. Bon, ça va. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des plantes qui poussent à bordure de toit. Pour descendre ça, il vaut mieux prendre. C'est-à-dire que ça vous les poumons. Hein. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait autant d'exercices. Alors, ça, peut-être pas de bicyclette, mais j'aime bien marcher. Il y a encore une autre piscine, pas symétrique. Hein. Bon, mais j'espère qu'on entendra mes commentaires. Ce qui n'est pas sûr, mais que je parle pas fort, n'est-ce pas? Mais il paraît qu'il est bon. Ah ouais, a priori, il y a un toit.
en bois. Là, il y a de la feuille qui coule. Ça jaillit de la montagne, attention. Magnifique. Oh là là. On y est presque. C'est plus facile à descendre qu'à monter. Comme je le disais tout à l'heure. Non. Nous avons. Je sais pas, c'est du serpent à multi-tête, ça. Il y en a un paquet, hein. Non, c'est pas fait pour les handicapés, je vous rassure, ça passe pas. Autant tout à l'heure, ce truc-là, je l'ai monté deux par deux. Pour aller descendre, mauvaise idée. Et voilà.